Coco, Doudou, Oui, chérie. tu es là? Apporte-moi à boire. J'ai une soif de chameau. Merci. Dis donc, chérie, tu m'as l'air très fatiguée ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, c'est le boulot. Tu sais, j'aime tellement mon boulot que quand j'y suis, j'y vais à fond la caisse. Parlant de boulot, j'espère qu'un jour tu auras une promotion. Oh, c'est le bon Dieu qui récompense. Effectivement, c'est Dieu qui décide tout. Mais tu crois que Dieu décidera un jour pour toi? Écoute, Armand, laissons tout ça. Parlons d'autre chose. Ok, comme tu voudras. Ah oui, à propos d'autres choses, j'étais à la poste ce matin et j'ai du courrier pour toi. J'espère que ce n'est pas un télégramme venu du village, parce que maintenant, avec ces nombreux morts, il y a de quoi se méfier de ce genre de courrier. Non, celle-là arrive de la capitale et plus précisément de ton ministère de tutelle. Tu l'as déjà lu alors? Tu aimes ça. Depuis qu'on est ensemble là, est-ce que j'ai une fois lu une de tes lettres à ton absence? Tiens, là sur l'enveloppe. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la lettre là? Zoukoutima, Simolatoya, Dis-moi, allez, qu'est-ce qui danse, se passe? danse, danse, qu'on disait là, Dieu a tout entendu. Oui. Te voici devenu grand type. Et moi, la femme d'un directeur régional du commerce de l'État. Et ça n'arrive pas tous les jours. Moi, Anoko Klapoko, fils d'Adonko Klapoko, devenu directeur régional du Du commerce commerce de de l'État. l'État. Attends. Tu sais quoi? C'est maintenant que tu dois redoubler d'efforts. Eh oui. Parce que, tu sais, chez nous ici, là, quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, alors là, c'est fini. Il devient l'ennemi de tout le monde. Donc, fais très attention parce que moi, je ne veux pas te perdre. Tu peux compter sur moi. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité, mais je m'arrangerai pour contenter tout le monde. Allez, maintenant, au travail. Clavogo! Maman. Clavogo! 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 Babazi, maman. Manazi à Agba! Agba! Tu me dis rêve. Voilà! Ça là, comme ça, Soro. Clavogo, Mr. Soro. Oh, il n'y a rien de grave.
Mes patrons m'ont nommé directeur régional du commerce des... Qu'est-ce que je te dis? L'autre jour, j'ai dit que j'ai fait un rêve. Mon fils est nommé grand directeur. Ton père m'a dit ça ici. Voilà notre fils aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas rejoindre mon poste sans venir chez vous. Papa, tu t'exagères. Tu sais, ton père est tellement content. Coco. Oui. Fadela, directeur régional du commerce. Voilà. Fadela de l'État. Justement. Ah, Bagwazi Agwa. Bagwazi Agwa. Nako. Je suis très, 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 très fier de toi, mon fils. Très fier. Dieu. Anako. Ça sera un événement que tout le village doit fêter. Oh. On doit fêter ça. Papa. Le chef de village, l'autre côté, il est mort. Donc, ça fait... Tout le village est parti là-bas. Il n'y a personne dans le village. Oh. Le vieux Kakoko est décédé. Le vieux Kakoko est mort. Oh. Mais il faut qu'on aille là-bas, alors. Ah. Attention. Tu ne peux pas partir là-bas. Si tu as quelque chose, donne-moi. Moi, je m'en vais. C'est bon? Ne ah, pas oui. aller là-bas. Toi, tu n'es pas ici. Il faut éviter les choses comme ça. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Pourquoi, maman? Tu vas donner un peu d'argent à ton papa et il va remettre à la famille. Toi-même, il ne faut pas arriver là-bas. Il ne faut pas arriver Mais pourquoi, maman? Non. Il faut éviter ces choses-là. Voilà. Tu as vu? Là-bas. Ah. Ah, là, c'est vrai. Tu as raison, Anako. Faut pas partir là-bas. Bon, je viens de mettre. Ok, papa. Ouais. Si tu as un peu d'argent, tu remets à ton père. Lui, il va remettre ça là-bas. Mmh. Ça va là-bas? Oui, ça va. Ah! Ma gogo. Oui. Ah, vraiment. Ah, vas-y, on va. Tu es en train de faire un peu de manioc, là. Tu sais, mon fils. Tu es nommé directeur général maintenant. Mmh. Hein? Oui. Tu ne dois plus nous oublier. Nous, tes parents. Je ne peux pas faire ça, maman. Tu vois la situation de ton père et moi? Oui. La famille, elle est très grande. Il ne faut pas nous oublier. Tu dois t'occuper de nous. Et puis, dans ton service, là, il faut travailler seulement avec les séphons. Même? Il faut prendre les séphons seulement. C'est moi qui t'ai parlé, ça. Mais s'ils n'ont pas la qualification professionnelle. Oh! Qualification professionnelle que tu parles, là. On est avec ça. Voilà tes frères. Il faut tout faire pour les engager quelque part. Il faut mettre tout le monde là-bas. C'est tout. Enfin, comme tu me le demandes, je vais le faire. Il faut faire ce que je te demande. Je suis ta mère. Dans ce pays, on a besoin d'hommes et de femmes compétents aujourd'hui. Compétents où? Compétents à s'acquitter où? Regarde, je vais te dire quelque chose. Dans ce pays-là, qui est compétent? Qui est compétent? Colonne en fa. Fana à Kolo. Quand on te place, toi aussi tu places tes frères. Tu places tes amis. C'est comme ça qu'on fait. J'ai compris, maman. Tu as eu à manger aujourd'hui. Il faut que tes frères aussi mangent. Donne aussi à tes frères. Comme ça, tu vas avoir longue vie. Tu as compris? Oui, maman. Vraiment, le pays. Personne n'est droit encore. Tu as compris? Je ferai comme tu l'as demandé, maman. Faut faire de... c'est moi, qui... c'est moi qui t'ai mis au monde. Quand je parle, il faut écouter. C'est ça. Ça va là-bas? Oui, ça va. Heureusement que tu m'as compris. Sinon, tu allais m'énerver comme ça. Tu travailles seulement qu'avec les séphons. Maman, il n'y a pas de problème. Séphons là-même, est-ce que tu parles encore? Comment? Je ne peux pas oublier ça, maman. Comment on dit bonjour? Comment on dit bonjour? Manaziagba, maman. Et comment on répond? Babazi, mon nom. Babazi, mon nom. Je n'ai pas oublié. Anako, ton fils n'a pas oublié ce mot-là. Ça va là-bas? Oui, ça va, maman. Ta femme est là? Oui. J'espère qu'elle aussi parle de ses fonds comme nous. Elle n'est pas ses fonds, maman. Non, je parle de ta femme. Elle n'est pas ses fonds. L'amour n'a pas besoin de ça. Ta femme n'est pas ses fonds? Non. Ta femme n'est pas ses fonds. Non, maman. Ma femme n'est pas ses fonds. Ton père est ses fonds. Ta mère est ses fonds. Le père de ton père est ses fonds. La mère de ta mère est ses fonds. Toi, tu allais me soulever quoi? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'amour? Hey! Il faut mettre ses fonds pour s'aimer. Colonako! J'ai compris, maman.
Est-ce que tu sais que tu me tourmentes? Maman... Regarde, écoute-moi ici. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien, je ne vais pas te dire ça deux fois. Cette femme-là, je ne veux plus la voir. Arrivée à Abidjan, il faut la chasser. Qu'on le son. Il faut qu'elle parte. Ton père et moi, nous allons te trouver une femme sans fond. Cette femme qui n'est pas sans fond là, qu'on le son. J'ai compris, maman. Mais ce que tu me demandes, c'est trop. Colosso, il y a longtemps nous sommes ensemble. Colosso. Tu as compris, Rapoko? Oui, maman, j'ai compris. Tu travailles seulement qu'avec les Sefo. Tu maries Sefo. Tu fais tout avec Sefo. Un fils doit toujours écouter les conseils de sa maman s'il veut réussir dans sa vie. Bon, j'ai compris. Ah, heureusement que tu m'as compris. Si vraiment tu prends en considération tout ce que je viens de te dire là, tu seras même nommé ministre un jour. Ah oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Voilà. J'ai compris, maman. Je vais me reposer. Hey, Robert. Hé, hey, c'est toi. Oui. Bonjour, Zach. Comment ça va? Ça va bien chez toi? Ah, ça va très bien. T'as bien dormi? Oh, ça va. Est-ce que tu es au courant de ce que j'ai entendu? Il paraît que le directeur actuel s'en va. Ah, mon cher, ça c'est grâce à la télé, j'ai vu ça hier. Ah bon? Et il me semble que le nouveau s'appelle... Attends, hein, c'était Clapoco. C'est ça, Clapoco. Clapoco. Qui est? Mais s'il s'appelle vraiment Clapoco, c'est que je suis sauvé. Yeah! Mais tu as sauvé pourquoi? Hey, mais Clapoco, c'est un nom qui vient de ma région. Je suis sûr qu'il est ce fond comme moi. Et puis où est le rapport? Hey, toi, tu n'as jamais rien compris. Tu ne sais pas que la promotion, là, ça passe forcément par le régionalisme et l'ethnie. Mais le directeur régional, il est ce fond. Et moi, je suis de même ethnie que lui, ce qui va arranger ma situation. Et il va me faire une promotion. Ça existe encore ce genre de pratique tribale, là? Hey, c'est ce qui marche dans le pays. Tu n'as pas vu l'ancien directeur à ce qu'il faisait? Et prends le cas de M. Kwan. M. Kwan n'a pas de responsabilité, il n'a pas de bureau, mais son salaire était toujours viré à chaque fin de mois. Ah. Et dit que M. Kwan est une compétence. C'est ça, le pays, tu connais. Ça veut dire que ça ne va pas sentir bon pour moi, puisque moi, je ne suis pas assez fond comme vous. Ça, c'est vrai, hein? Écoute, comme tu es ma copine, on peut arranger ça. Puis c'est la règle, c'est ça, hein? Tu travailles avec moi parce qu'on est de même ethnie. Ou bien quelqu'un t'a recommandé. C'est comme ça. Mais où on place la compétence? Eh, hey, ça y est, dans le caniveau? Hey, allons travailler ça, ma chérie, allons. Peut-être que le nouveau directeur là, il n'a pas les mêmes idées que ceux-là. En tout cas, il n'a qu'à avoir de nouvelles idées. Hein, parce que c'est inadmissible tout ça là. À chaque fois, à chaque nomination, on est obligé d'affecter tout le personnel ailleurs. Et puis le boulot s'arrête et il faut recommencer tout à zéro. Mais quand même, vous ne voyez pas que ça nous retarde? Oh, en tout cas, le nouveau là, il n'a qu'à avoir de nouvelles idées. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne veux pas être affecté injustement comme ça. Ah, mais qui veut t'affecter encore? Lis ça et tu comprendras. Ah, le nouveau directeur a lui aussi, hein? Et je ne suis pas la seule sur la liste. Et j'ai mon nom dedans. Mon frère, faut regarder. Mais il n'y a pas mon nom. Mais il va de soi que tu es un fond. Bon, écoute, si tu veux rester, je peux intervenir pour toi. Pas question. Pas question d'intervenir. En tout cas, si c'est comme ça, il veut diriger son département là. On va se voir ici. C'est ton visiteur? Je dirais qu'elle est là pour travailler. Tu fais quoi à mon bureau? Ah, madame, c'est pas de ma faute, hein. Qui vous dit que je suis madame? Pardon, pas me fatiguer, c'est pas moi qui t'ai affecté de ce service. Vous venez de quel service? Tu es devenu juge maintenant pour me poser question. Et si je vous vois là, c'est par politesse. Si ce n'est pas parce que j'ai peur de vous, donc un peu de tenue. Nous ne sommes pas amis pour que vous soyez là en train de me tutoyer. Arrêtez-moi ça. Ceux qui t'écrivent comme ça même,
Si tu ne veux plus faire ton travail là, continue de crier sur moi encore. Parce que le directeur se fond, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Vous avez de la chance. Pourquoi c'est toi ceux qui parlent, mais les autres on leur a montré leurs papiers, ils sont partis. Toi tu es là pour parler pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a même? Je parle parce que les autres ne sont pas même chose. Vous êtes pareil? En tout cas, profitez pendant qu'il est encore temps. On va profiter, parce que tu as profité, là, nous aussi on a profité pour nous. Permettez, madame la secrétaire, je vais voir le patron. Ce qui est sûr, tu ne verras pas le patron maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ça, regardez les matchs pour toi. Maintenant, vous. On a dit à quoi, monsieur le directeur? Bah, vas-y, à mon nom. Comment? Merci, monsieur le directeur. Écoute, je t'ai fait appel pour savoir si mademoiselle Kaboko s'effondre comme nous. Oh. Nina Kaboko s'effondre. Ah bon? Elle n'est pas s'effondre. Je comprends pourquoi quand je lui parle en s'effondre, elle me répond en français. Non, elle n'est pas s'effondre. Elle n'est pas s'effondre. Mais pourquoi son nom se termine par quoi comme nous les s'effondre? Je me suis toujours posé cette question. Alors là, j'ai eu raison de l'affecter dans un autre service alors. Monsieur le directeur, Mani ira fiancé où? Écoute, je tiens ça de ma mère. Si tu veux réussir dans ton travail, reste collé aux gens de ton ethnie. Les autres filles, c'est l'argent qu'elles veulent. Toi-même, tu viens de dire qu'elle n'est pas si fond comme nous. Alors, laisse-la tomber. Moi-même, je te trouverai une belle et charmante si fond. Monsieur le directeur, la fille là, Zakakradou. Zakakradou, Zakakradou. On t'a dit que moi, je n'aimais pas ma femme? Eh, donc vous l'avez renvoyée? Je vais la renvoyer dans l'intérêt supérieur de ses fonds. Allez, fais comme moi. Qu'on le sonne à Robert. Et puis, c'est tout. En tout cas, je ne reviendrai plus là-dessus. Tu es le directeur. Manazia Wadopo. Ah, Babazia Mono. Cloma. Mina ni faso. Ya dolo nu mana. Ah bon? Pourquoi refuse-t-elle de partir? Ya dolo nu. Alors là, elle veut me voir. De quelle fille vous parlez? Jeune fille la bilopa. C'est Robert, monsieur le directeur. C'est d'elle qu'on parlait tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ah, si c'est d'elle, il n'y a rien à faire. Jacques, on ne peut pas intervenir pour elle. J'ai besoin ici des séphons seulement. Pas d'autres gens, pas d'autres ethnies. Ok? C'est compris? Oui. À prendre ou à laisser. Allez, au boulot. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est ici la direction du commerce de l'État? Oui. Vous travaillez là-dedans? Oui. Eh bien dis donc, vous êtes mon parent alors. Et Yamazi Agba? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous travaillez ici. Et alors? Enfin, je pensais que vous étiez de la même ethnie que le directeur. C'est pourquoi je vous ai parlé dans notre langue. Mais c'est fond. Parce qu'il faut être c'est fond pour travailler ici. C'est ce qu'on m'a toujours dit madame. Ah, vous êtes certainement un parent, monsieur Klapoko. Et vous aussi, vous venez travailler ici. Oui, tonton Klapoko m'a demandé de venir remplacer le comptable. Ça alors? Et vous êtes comptable de formation, vous? Non, on n'a pas besoin d'être comptable de formation pour être comptable. L'essentiel, c'est d'être séphon. Et maintenant, c'est la séphonisation des services. Et tant que tonton Klapoko sera là, nous aussi, on sera là. D'accord. Mais et puis, pourquoi vous me posez des questions bizarroïdes comme ça? Pardon, excusez-moi monsieur, je voulais seulement savoir, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est qui suit madame Klapoko là-bas? Ma chérie, bonjour. Mais, qui sont ceux-là? Ma chère, ces gens que tu vois là, ce sont mes beaux-parents. Leur souhait le plus ardent est que leur fils me laisse tomber parce que je ne suis pas séphon comme eux. Séphon. Oui, comme si être ce fond-là était une fin en soi. Moi, dans tout ça, là, ce qui me fait mal, c'est au moment où j'ai trimé à leur fils-là, il
non pas sûr que je ne suis pas fait pour vous. Mais ça ne fait rien. Je laisse pour moi Dieu. C'est pas normal. Je demande, c'est pas normal ce que j'ai fait. Dis-moi, c'est pas normal. Ah, ma coco. Enfant, tu dis, Rita. Enfant, quel enfant, ton père. Grand-mère. Ah, Jacques Pani. Jacques Pani, faut pas m'énerver, toi aussi. Faut pas m'énerver. Elle va faire quoi ici? Colosso. Elle est arrivée du village avec une autre pour donner un mariage à son fils. Quoi? Une autre femme? Oui. Mais, Madame Clapoco. Pardon, pardon, je ne suis plus Madame Clapoco. Appelle-moi désormais Armande. Excuse-moi, j'ai dit, oh, est-ce que Monsieur Clapoco lui-même, il est d'accord avec tout ce qui se passe là? Oh, ma chère, pourquoi y aller? Monsieur Clapoco, enfin, ton patron, Monsieur Clapoco, est au courant de tout. C'est lui-même qui a tout orchestré. Lui, un intellectuel, lui. Ah, pauvre Afrique. Mais tant qu'il aura des clapocos, des anacocos, des tankocos, des zakocos, on ne pourra pas évoluer. Mais c'est de quel pays on parle finalement? Est-ce que tu sais que moi aussi, je ne travaille plus ici? Ah bon? Voici ma lettre d'affectation. Et pourtant, on parle d'unité. Mais ma soeur, je ne regrette rien. Je ne me reproche rien. De toutes les façons, ma chère, tu n'as rien à dire, tout comme moi. Mais je crois qu'à partir de ton problème, tu as nettement compris le mien. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Tu es une belle femme. Si tu sors de chez les Stéphane, de chez les Clapoco, tu vas avoir mieux. Et moi, je me fais confiance, toute modestie mise à part. J'ai été formée pour mon travail. Et je connais mon travail. J'ai été affectée. Mais je vais rentrer dans un service tout de suite et puis on va me prendre, on va m'accueillir à bras ouverts. Dans tous les cas, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ah, Robert, écoute-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon oncle. J'ai discuté avec lui. Il est d'accord pour que tu restes. Parce que je lui ai dit que je suis en train d'apprendre la langue. C'est fort. Moi, apprendre, c'est fort. Et vous pensez que c'est la meilleure façon de conduire le pays à l'unité, ça? Mais c'est comme ça que tout le monde fait. Voilà ce que moi, j'ai envie de te faire. Robert! Reviens, Robert! Tu peux apprendre le CFO. Tu peux devenir CFO. Robert!